Doté d'une haute estime de lui-même, l'empereur Palmessia s'adresse à chacun avec un air dédaigneux. Rêvant de pouvoir dominer le monde, il invoque des forces maléfiques qu'il manipule pour envahir les différentes contrées les unes après les autres. Après avoir été vaincu une première fois par Firion et ses compagnons, qui réussissent à prendre d'assaut sa forteresse Cyclone, l'empereur agonise ainsi dans l'incompréhension, tant sa victoire lui paraissait acquise d'avance. Il réalise l'exploit de ressusciter encore plus puissant qu'avant. C'est désormais du haut de sa nouvelle forteresse appelée Pandémonium qu'il fomente un plan encore plus diabolique, l'annihilation de tout être vivant dans le monde. Commandant du bataillon des Chevaliers Dragons de l'armée de Baron, il est à la fois l'ami d'enfance et le rival de Cécile. Kane est secrètement amoureux de Rosa, son autre ami d'enfance. Golbez profitera de cette faiblesse pour le manipuler et semer la discorde entre lui et Cécile. Kane vainc Cécile, mais est profondément touché lorsqu'il aperçoit Rosa le rejoindre dans la foulée, car il voit dans ses yeux tout le mépris qu'elle ressent envers le lâche qui a trahi son meilleur ami. Après la dissipation du sort de lavage de cerveau, il ressent une forte culpabilité envers son ami de toujours. Mais il trouvera la force de partir à ses côtés affronter Zemus, l'éminence grise à l'œuvre derrière ses manipulations. Élite Magitech magnifique, mais dont les pouvoirs magiques furent attribués artificiellement par l'Empire de Gestal. À l'origine de nombreux succès stratégiques à la tête des armées de l'Empire, tel l'envahissement de Maranda, au point qu'elle fut par la suite appelée l'Invincible Général, Céleste se met un jour à douter des méthodes de l'Empire et finit par sonner la révolte. Elle est sauvée le jour précédant son exécution par Locke et rejoint les rangs de la Résistance. Au fur et à mesure que son attirance pour Locke se développe, elle commence à sentir naître en elle sa féminité. Après le grand cataclysme, elle partira à la recherche de ses camarades à travers le monde, en espérant tout particulièrement pouvoir le retrouver lui. Fier fils et bien pensant du président Shinra, s'opposant régulièrement à son père malgré son statut de vice-président, il sera un jour dégradé par son paternel qui prétexte un trop long voyage de son fils. Il héritera du siège de patron dès la mort de son géniteur et démarrera des recherches pour retrouver Sephiroth. Après le déclenchement du météore, il œuvrera pour la destruction de Sephiroth et des armes. Et même en tant que taupe de la Shinra, Rufus n'a aucun intérêt dans le sort de la planète, tout en finançant Avalanche. Il utilise plutôt l'organisation pour prendre le pouvoir de son père. Mais il devient clair que Shinra a un traître. Mais au départ, l'identité de l'informateur n'est pas connue. Malgré son statut de membre du comité de discipline de la fac de Balamb, Seifer est surtout connu parmi ses pairs pour être un adolescent à problème. Il considère son camarade de promotion, Squall, autre utilisateur de Gunblade, comme son plus grand rival. Bien que possédant largement le talent de rejoindre le Cid, son côté agressif et incapacité à obéir l'ont toujours empêché d'atteindre son objectif. C'est lui qui décide seul d'aller prendre en otage le président Deling. Mais Edea le sortira du pétrin en le recueillant. Lorsqu'il affrontera Squall par la suite, ce sera en tant que chevalier de la nécromancienne. Et cherchant à mettre définitivement hors d'état de nuire les ennemis d'Edea, Seifer prend la tête de l'armée galbadienne et envoie des soldats d'élite à l'assaut de son ancienne école. Descendante du peuple des invoqueurs de Madaine Sali, et déjà très mature pour une petite fille de 6 ans, elle tente constamment de rassurer son entourage grâce à une attitude très gaie et positive. Comme le lui a demandé son grand-père, mort un an plus tôt,
Elle vit avec ses amis Mugs au milieu des ruines de son village afin de protéger leur trésor. Elle est amoureuse de Jidan depuis leur première rencontre, lorsque celui-ci l'a sauvée sur une route de montagne. Elle décide de l'aider à son tour dans sa quête quand elle apprend ce que complote Kuja. La corne sur le front est une singularité de son peuple. Elle lui permet de communiquer avec les chimères qu'elle invoque. Eiko se rend vite compte que Grenat et Jidan ont des sentiments l'un pour l'autre, et tente au départ de les gêner comme elle peut, mais elle finit par abandonner et par donner des conseils à Grenat. Mage noire et gardienne de Yuna, Lulu a toujours gardé un œil protecteur sur la jeune invoqueur. Amie d'enfance de Waka, elle était également fiancée à son petit frère, Chapeau. Ce n'est pas sa première expérience en tant que gardienne, puisqu'elle a déjà joué ce rôle à deux reprises dans le passé. Malheureusement, ces épreuves ont jeté un voile sombre sur son cœur, puisque toutes deux se sont terminées par la mort de ses protégés. Toujours très exigeante envers elle-même et les autres, Lulu n'en reste pas moins une personne très gentille, avec ses faiblesses. Elle a pour adorable habitude de se servir des poupées qu'elle collectionne comme arme de combat. Même si elle n'est pas aussi croyante que Waka, Lulu suit également les préceptes de la religion yévonite. Aux commandes de l'aéronef le plus rapide d'Ivalis, le Sillage, Baltier s'est construit une image de pirate chevaleresque. Il était pourtant, à l'origine, protecteur des lois et de l'ordre public en tant que haut juge de l'Empire d'Arcadia. Mais il a décidé d'abandonner son statut et de quitter son pays suite à une brouille avec son père, Cid, afin de devenir pirate du ciel et de retrouver sa liberté. Il s'introduit un jour dans le palais de Rabanastre avec sa complice Fran à la recherche d'un trésor, et rencontre alors Vaan et Hache. Désormais impliqués dans leur péripétie, il finit par les rejoindre et les suivre dans leur aventure. En cours de route, il apprendra que son père tire les ficelles de la guerre, ce qui le poussera à essayer de le stopper à tout prix. Fang a été élevée avec Vanille, qu'elle considère comme sa sœur. Il y a 600 ans, lorsque Vanille et elle furent choisies pour devenir Falsi, Fang se transforma en Ragnarok et attaqua Cocoon. Sa métamorphose fut défaite par le pouvoir de la déesse de Cocoon, et Fang fut changée en stase cristalline. 13 jours avant le début de l'aventure, elle se réveille sans sa marque et est amnésique à sa tâche. Effrayée de savoir que son amie Vanille peut à tout moment devenir un Sith, elle continue de se battre pour provoquer la destruction de Cocoon. Cindy est la mécanicienne en chef du garage Hammerhead, qui s'occupe parfois de la régalia de Noctis lors de leur voyage. Elle est optimiste, motivée et toujours enthousiaste à propos de son travail. Elle est passionnée par les voitures et fascinée par la technologie qui provient de la Crown City, qui a été isolée du reste de Lucis pendant 30 ans. Malgré une enfance difficile, elle est amicale avec tout le monde. Et bien qu'elle ait de nombreux admirateurs, elle n'est pas intéressée par les fréquentations et est connue pour être mariée à son travail. À un moment donné, elle raconte l'histoire d'avoir vu des personnes tuées par des démons dans les terres lointaines à l'âge de 6 ans, parce qu'elles n'avaient pas de phare anti-démon fabriqué par Insomnia dans leur voiture.